C'était un événement à double signification pour Océan Ogilvie Group. Il s'est agi d'un meeting qui a coïncidé avec l'inauguration de ce nouveau bureau, événement qui a marqué d'une pierre blanche le processus d'expansion du réseau Océan Ogilvie. Alors les perspectives d'avenir, je dirais, nous sommes déjà là-dedans. Je l'ai dit tantôt, c'est recruter les meilleurs talents dans les domaines de la communication. D'abord les identifier, ensuite les recruter, les former le plus possible aux méthodes Ogilvie, puisque nous parlons de l'océan, nous parlons de bateaux, en faire des têtes de pont vraiment du développement régional. Cette structure qui a pour cible la communauté planche sur les options stratégiques du groupe de manière à élargir l'impact de ses actions. Quand on fait des choses pour la communauté, nous on aime bien que ce soit discret. Donc on est proche des artistes d'une manière générale, on aime l'art. À côté de ça, bon, nous faisons des actions communautaires pour des écoles. Nous sommes en ce moment dans un projet d'école en Côte d'Ivoire qui est entièrement financé par nous sur fonds privés. On aime bien aller jusqu'au bout des projets. Quand on se lance quelque part, on se lance avec sérieux, avec engagement. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs responsables du groupe. La structure reste spécialisée dans la publicité, management média, relations publiques, marketing direct, production visuelle digitale et beaucoup d'autres domaines connexes.